Good morning, allez, Yiden, le sujet aujourd'hui, le Nishmat, Avraham, Chay Norbert ben Fortuné Mazal, Chaya Bat Tova, Rachamim ben Rosa, et Moshe ben Yaakov, Tarav. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Masachat Bechorot, Perek Vav, Mishnah, Hey, Nifgam Hazovan, O Eria, Shel Nekeva, Bam Mukdashin, Nifgam Azanav, Mina Etzem, Avalo, Mina Perek. או שהיה ראש הזנב מפציל עצם, או שיש בשר בין חוליה לחוליה מלוא אצבע. On continue dans ce chapitre à découvrir les différents défauts qui invalident un korban pour monter sur le misbéach. La Torah insiste d'apporter un korban zachar tamim ou nekeva tmima. Le mot tamim veut dire entier, complet, parfait, qui n'est pas un seul défaut. Et donc on a appris dans les premières mishnayot les défauts dans les oreilles, si ça a été incisé, fêlé, les défauts dans les yeux, mishna bet gimel, Mishnah d'Alet, c'était celle d'hier où on avait parlé déjà de quoi j'ai oublié. On avait parlé du nez, de la bouche, des dents. Et puis à présent, on va continuer maintenant dans notre Mishnah à parler des parties génitales. Par mesure de pudeur, on ne va pas utiliser les mots français qui sont très grossiers. D'ailleurs, il y a le Rambam qui explique que, selon Rambam, la langue hébreu s'appelle le Lashon HaKodesh, la langue sainte, parce qu'il n'y a pas de mots pour définir tous ses membres. On les appelle les parties cachées. Les parties on va utiliser par exemple lorsqu'on va parler du membre de l'homme, on va utiliser le mot le guide, le nerf. Ça peut être un nerf, sans faire exprimer avoir un mot spécial. Le Maharal, il explique que le Lashon HaKodesh, il s'appelle Lashon HaKodesh, la langue sainte, pour des raisons bien plus profondes que ça. Mais ce qu'il a dit le Rambam, c'est quand même très vrai, que dans le Lashon HaKodesh, il n'y a pas de mot pour définir ça. D'accord ? Donc on va utiliser les mots, histoire de rester pudique et propre. On va utiliser les mots. Maintenant, le guide des mâles, des animaux, il est... vous savez comment ça se passe chez les animaux? Il y a... J'ai amené les enfants au cheval, donc j'ai vu comment c'est, quoi. Il y a pas de... Le guide n'est pas dehors tant qu'il urine pas, ni rien. Il est fermé, il est dans une poche. Cette poche-là s'appelle le zovan. D'accord? C'est pas la poche des testicules, c'est la poche du guide lui-même, où quand il est replié sur lui-même, alors il est entièrement rentré dedans, et cette poche-là donc s'appelle le zovan. Et c'est ce que la Mishnah enseigne, Nifgam HaZovan. Si le zovan, donc cette poche où se trouve justement le guide, il a été Nifgam, il a été manquant, il s'est pris un coup, il y a un petit bout de peau qui a été arraché de là-bas. Ça c'est un premier défaut qui va invalider le Bechor, ou tous les Korbanot, selon le même principe. Il y a quelque chose de très original qui se passe, c'est que si la poche entière, elle a été arrachée, eh bien, l'animal, il est pas invalidé. Pourquoi? Parce que la peau, elle peut se renouveler. Elle va repousser, elle va tout recouvrir. Mais tant que la peau, elle reste en l'état et qu'elle a été un petit peu coupée, eh bien, elle ne va pas se renouveler. Elle, donc, ça reste un défaut. C'est en soi-même une question. Il y a un Tosot qui parle de ça, qui dit c'est de la folie. On se retrouve avec s'il y a un petit bout du doigt qui est parti, alors c'est invalidé. Mais si tout le doigt, il est parti, alors là, le doigt, il va repousser. Mais effectivement, une des réponses de Tosot, c'est vraiment qu'effectivement, si la peau est endommagée en l'état, c'est quelque chose qui est manquant. Si ça s'arrache tout seul, on n'a pas le droit d'aller l'arracher, mais si ça s'arrache tout seul, eh bien, alors effectivement, si ça se renouvelle, pourquoi pas. D'accord? O eria shel nekeva bamugdashim. Ou encore, dans les mugdashim, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de bechor, puisqu'on va parler du nekeva, d'une femelle. Dans le bechor, il n'y a pas de femelle, c'est forcément un mâle. Maintenant, dans une femelle, des autres nekeva de bamugdashim, il y a eu la Eria. Eria, alors de nouveau, il y a la partie génitale. C'est dans la Torah, on constate, je ne sais pas exactement en anatomie comment c'est expliqué, mais en tout cas, entre l'utérus et l'extérieur, il y a chez les femmes, chez les humains, il y a une partie qui s'appelle le prosdor, le couloir avant d'entrer dans l'utérus, avant d'atteindre l'utérus. Il y a ce qu'on appelle le prosdor, chose qui n'est pas chez l'animal. Chez l'animal, elle a directement sa femme, la safa, les lèvres, qui sont directement de l'utérus au dehors. D'accord? Il y a une différence. En tout cas, il y a maintenant, par rapport justement aux bêtes à Erva, la Eria. Eria, c'est la partie cachée. La partie, d'accord? Et génitale des femmes, des femelles, des Bechorot. Alors, elle dépasse extérieurement. Et donc, si là-bas, il y a eu un pgam, c'est qu'elle a pris un coup et ça a été arraché partiellement, alors c'est devenu invalidé. Même principe, maintenant on va parler de la queue. Nifgam hazanav mina etzem, avalo mina perek. On va parler maintenant de la queue. La queue, elle est composée de
plusieurs phalanges avec dedans de la chair, un petit peu par-ci par-là, je ne sais pas exactement dans quelle proportion. On va voir maintenant que, dans quelles conditions, dans quel endroit, s'il y a eu un pgam, s'il y a eu un petit bout qui a été arraché, que ça va plus renouveler. Donc, la Mishnah m'enseigne Nifgam azanav mina etzem. Si le zanav, il a la queue, elle a été nifgema, c'est qu'elle a été même un petit bout arraché. Mina etzem. Le Bartenora, il explique, non, c'est plus le Bartenora, c'est lui, Genersar, Mazanav, Ktsat, Memza et Tsemechad, Shibu Chuliotav. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Chuliot, il y a plusieurs phalanges dans une queue. Ouais, quand la queue, là, il peut la redresser, la diriger. Donc, il y a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs phalanges. Il y a des endroits où il y a des os, il y a des endroits où c'est justement les articulations. Alors, là où il y a l'os, là, c'est qu'il y a eu un bgam. S'il y a eu un bgam, c'est quelque chose qui ne va pas se refermer de lui-même, donc l'animal, il a été invalidé. Avalo mina perek. Par contre, pas si c'est du perek, si c'est justement de l'articulation, que la bassine en gamme, ça se renouvelle. O shaya rosh hazanav maftil etzem. Ou encore quelque chose d'original, c'est que la tête de la queue, le bout de la queue, eh bien, il s'est séparé en deux maftil. Deux interprétations. En tout cas, la deuxième, c'est que ça s'est séparé, ça s'est mis tpatzel, en hébreu moderne. Les tpatzel s'est séparé en deux. On prend. Un fil qui a été mis de patzel en deux, qu'on a séparé en deux. Alors maintenant, la même chose aussi, la queue, elle a été, le bout de la tête, il se sépare en deux bouts de queue. O, she'aya rosh hazanav maftil etzem. O, she'aya besar ben chulia le chulia melo etzba. Ou encore, entre les deux articulations, si toutefois il y a eu un morceau de chair qui s'est glissé là-bas, que l'animal elle a développé la chair entre les articulations, eh bien, ça y est, l'animal il a été invalidé. Et donc, si c'est un Bechor, on pourra le consommer. Si c'était un autre corban, alors on pourra racheter sa doucha, la transférer sur un autre animal. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.